Salut, zami moi. Jodi a, nan numéro 849, nan rubrique nou an, ma bible, mon trésor, n'a insisté sur le choix combien intelligent des Thessaloniciens. Ils se sont convertis à Dieu en se détournant de leurs idoles pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 9. Verset ça aide nous bien comprendre le secret de la qualité de la croyance des Thessaloniciens et également la véracité de leur conversion. Zami moi, n'a rappelé que qualité croyance gagne en pile importance dans la vie. Tout bon vrai, vous êtes le fruit de vos croyances. Et votre destinée est profondément liée à vos croyances. 1 Thessaloniciens 1er verset 9 révèle-nous premièrement. Les Thessaloniciens n'étaient pas des athées. Yon athée ou bien yon soi-disant athée, c'est moun qui dit ou bien qui prétend que li pa croit dans l'existence de Dieu. Bon, nous connaissons. Gen en pile raison qui à l'origine de l'athéisme. En pile foi, c'est ignorance concernant les révélations de Dieu ou bien une sorte d'illusion concernant la vérité qui conduit un monde à déclarer que li se yon athée. Parfois également, c'est parce que moun nan peur qualité châtiment li tande qui réservé pour lui-même, l'el refuser obéir et croire en la personne du Dieu créateur. Ça qu'on rivé également les mounal caché derrière quelques vieilles théories ou bien quelques mauvaises philosophies. Bon, en un mot, ça nous clair sous lui-même. Les Thessaloniciens n'étaient pas des athées et deuxièmement, ils n'étaient pas des polythéistes. Ils ont défini le polythéisme comme la croyance en plusieurs faux dieux. Et dans ce sens, la décision Thessaloniciens est claire. Avant de tendre et accepter l'évangile, ils ont mis confiance dans une quantité de divinité. Ils ont cru dans toute qualité de vieilles idoles. Mais qu'on y a, c'est différent. Ils ont mis toute confiance dans le seul Dieu vivant et vrai. Troisièmement, 1 Thessaloniciens 1er verset 9 aide-nous plus bien comprendre que les Thessaloniciens n'étaient pas des panthéistes. Le panthéisme est une doctrine selon laquelle Dieu est tout. Panthéistes n'ont pas cru dans l'idée de Dieu créateur et transcendant. Bon, c'est bien malheureux parce que tout dans la création n'est pas Dieu. Et Dieu est distinct de sa création. Et heureusement, Thessaloniciens yo te gagné connaissance ça. Yo pas te servi n'importe bagay. Seulement, yo te mette toute confiance yo dans le Dieu vivant et vrai. Son seul qui consa. Quatrièmement, et ça très important. Les Thessaloniciens n'étaient pas des déistes. Bon, c'est vrai, nous joignons quantité moun qui bail consentement yo et qui d'accord dans l'existence d'un Dieu créateur. Mais, yo pas du tout accepté l'autorité du seul vrai Dieu sur leur vie. Moun sa yo pas d'accord ni servi ni adoré ce grand Dieu créateur. D'après moun sa yo, le grand Dieu créateur, l'el te fin créé toute bagay, eh bien, il a gué yo pou kont yo, li ba yo vague, li pa fè anken exigence à l'homme et de leur tour, yo même tout, yo pa occupé yo de Dieu créateur sa. Selon 1 Corinthiens 1er, le verset 9, les Thessaloniciens étaient des monothéistes. Ils étaient croyés et acceptaient l'existence d'un seul vrai Dieu. Et ce seul vrai Dieu, il est, il reste, il demeure vivant. Ça veut dire, il est source, toute bagaille qui vient vie là-dedans. Il est celui qui a créé toutes choses. Zamim, pas oublier nous te dire que qualité croyance ou gagne en pile influence sur qualité relation avec le seul Dieu vivant et vrai.
Et c'est ça que fait n'a invité ou pour pas gaspiller temps, gaspiller énergie et même gaspiller existence. Le meilleur choix et le choix le plus bénéficiaire est de servir le Dieu vivant et vrai. Ou même qui a des oreilles pour tendre, tendez. Et tant pis, qu'il y ait contact ensemble avec nous pour notre plus prochain numéro. À la prochaine.